Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je suis habillée pareil que dans la dernière vidéo parce que ben, j'ai fait deux vidéos à la suite, c'est pas grave. Donc je me suis dit pourquoi pas faire un crash test vu que j'étais un petit peu maquillée. On va crash tester aujourd'hui deux mascaras. Donc c'est le crash test match des mascaras. Donc le essence, donc celui-là c'est un vert. Enfin il y a le rose comme ça, je vous mettrai ici. Mais j'ai trouvé le vert, donc je me suis dit pourquoi pas tester avec vous. Donc c'est le Curl et Volume Extrême. Voilà, il coûte 4 euros, un truc comme ça. Et on a le Catrice Sexy Volume Lash Toolkit. Voilà. Donc je vais mettre ici le Essence à droite et le à gauche le Catrice. Donc voilà, on va tester ces deux mascaras-là pour voir lequel sera le mieux? Bah écoutez, moi en principe déjà le rose je l'aimais bien, donc je pense que le vert il va être pas mal aussi. Hein. Je sais pas, est-ce que c'est la couleur qui change ou pas, j'en sais rien. Bon, la brosse elle est assez grosse, elle est pas pareille que la rose. La rose elle est normale, mais celle-là elle tourne, vous voyez? Elle est assez grosse quand même. Hein. Donc c'est pas des poils, hein. C'est du. C'est des. C'est en. Comment? En plastique, quoi. Et l'autre, par contre, le Catrice, c'est des poils. Vous voyez, c'est une brosse comme ça. Un peu comme le Better Than Sex. Voilà. Donc, bah écoutez, on va tester ça. Je voulais faire un petit crash test sur ces deux petits mascaras. Je me suis dit, pourquoi pas les comparer? Donc, bah écoutez, je me suis munie de mon petit miroir. Et. On va tester le essence. Donc il promet quoi? Mascara avec brosse en plastique XXL, courbée pour des cils incroyablement galbés et volumineux. Sublime les cils, tolérance confirmée par les ophtalmiques. Bon écoutez, on va voir. Hein. Je pense pas que c'est un waterproof. Non, je pense pas. J'espère pas parce que moi les waterproof, j'aime pas. J'aime pas parce que ça se démaquille très mal. Franchement, la brosse, elle est énorme, regardez par rapport à mon œil. Allez, c'est parti. En fait, moi, les grosses brosses comme ça, j'aime pas trop parce que j'ai des petits cils, donc pour attraper, je préfère les brosses un peu plus petites. Ouais, franchement. Je pense que je préfère le rose par rapport à la brosse. Bon, il allonge, hein, il allonge les cils quand même. Il les recourbe un peu. Moi, je recourbe jamais mes cils parce que j'aime pas leur courbe cils. Voilà ce qu'il donne en une couche. On va laisser sécher, on mettra une deuxième couche et on va faire l'autre œil avec l'autre mascara. Donc essence pour celui-ci. Et celui-là. Donc celui-là, il fait quoi? Mascara pour des cils immédiatement plus épais, plus longs et incurvés avec un effet volume sexy. Brosse en fibre en forme de sablier. Facile à utiliser. Longue tenue. Donc. On verra bien. Normalement, il promet du volume et de la courbe. Moi, c'est ce que je cherche, hein, le volume, parce que j'ai quasi pas de cils, donc. Je me concentre. Franchement, je cherche le volume là.
Il fait beaucoup plus naturel que l'autre. Largement plus naturel. Bon, bah voilà ce que ça donne. Bon, j'en ai mis un peu sur le paupière, désolé. À choisir, je préfère celui-là, le celui de essence. Bon, après, il n'y a pas grande différence, hein, mais il a moins de volume quand même, ça se voit. Donc, je vais remettre une couche de celui-ci. Non, franchement, la brosse, elle est trop grosse. J'aime pas. Ouais, les brosses trop grosses, c'est con, mais j'aime pas du tout. Donc voilà, avec deux couches. Il fait un peu de paquet, hein, je vous dis pas. Je vous dis. Hein. Voilà. Alors celui-ci, le vert. Bon, il est pas mal quand même. Je le préfère quand même à celui-ci. Une deuxième couche avec l'autre. Désolée, ça fait du bruit avec sur la table. Ouais, il fait, en fait, l'autre, il fait pas de volume, mais il fait de la longueur. Mais il fait moins, il fait pas de paquet par rapport à l'autre, en fait. Franchement, il aurait fait du volume, il aurait été très bien. Les cils sont beaucoup plus allongés quand même. Voilà, avec deux couches. Beaucoup plus naturel, donc le Catrice, que le Essence. Donc, bah écoutez, franchement, ils se valent tous les deux, hein. Mais je vais avoir une préférence pour celui-ci, parce que, je sais pas, j'aime mieux ce qu'il fait, en fait. Donc voilà, pour le crash test de ces deux mascaras, je vous mettrai les prix des deux, hein. Celui-là, il est à 4 euros, il doit être à 4 euros et celui-là, il est pas plus cher parce que c'est à peu près la même gamme de prix. Donc, ben voilà, j'espère que ça vous aura plu ce petit crash test de ces deux mascaras. On va dire que ça fait à peu près la même chose, hein. Celui-là un peu plus long et puis avec moi on peut pas trop bien voir parce que j'ai pas beaucoup de cils. Voilà. Bon, ben moi, mon choix, ce sera celui-ci. Bon, dites-moi, vous, ce que vous utilisez en mascara. Bon, moi, j'ai le Essence, le Lash Princess que j'utilise beaucoup. C'est le vert, je vous mettrai ici, que j'aime beaucoup. Après, j'ai le rose que j'aimais bien aussi. Je l'ai, mais je ne l'ai pas encore entamé. Je l'avais repris. Donc, bah, je sais pas, en fait, la différence entre le rose et le vert. Je pense que ça doit être la brosse, parce que, à comparer, je pense que ça doit être juste la brosse qui change. Cœur, les volumes... Ouais, oui, curl, oui, ça recourbe quand même par rapport à l'autre. J'ai l'impression quand même que mes cils sont un peu plus recourbés. Volume aussi, mais il fait un peu de paquet. Donc voilà. Pour celui-là, bah franchement, volume, non. Franchement, je trouve pas. Je trouve qu'il fait pas de volume assez. Et après, il disait volume. Plus épais, plus long. Ouais, plus long, je suis d'accord, mais plus épais, non. Non, non. Pas plus épais. Donc bah, j'espère que cette vidéo crash test match des mascaras Essence et Catrice vous aura plu. Et puis ben si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, faites-le, ça me ferait super plaisir. Mettez un petit pouce, un petit commentaire. Et dites-moi ce que vous utilisez comme mascara, lequel vous préférez en mascara. Quelle marque, Maybelline, Essence, Catrice, etc. Bon, moi j'ai pas de marque. Genre Dior et tout ça, hein, ça c'est moi, je vais pas mettre un comment super cher dans un mascara qu'on peut en trouver des bons à 3-4 euros. Franchement, je suis pas du tout la personne qui va aller à Sephora m'acheter un truc Dior à 40 euros et non, c'est pas du tout mon truc. Donc voilà, dites-moi ce que vous utilisez en mascara et puis ben faites voilà, hein, j'espère que ça vous aura plu. Je l'ai déjà dit, et puis ben si. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo crash test et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!